Bonjour à tous. C'est parti. C'est parti pour Inspector Waffles. Écoutez, on va tester. Je vais mettre la bonne scène, mais du coup, ça coupe la musique à chaque fois que je fais du alt-tab. Mais c'est pas très grave. On est parti. Hop. Normalement, là, c'est bon. Ah, voilà. Je sais pas si ma caméra va être au bon endroit. On va voir ça. On va voir ça, on va voir ça. En attendant, on est parti pour découvrir ce point and click. Je n'ai pas du tout lancé hein, pour l'instant, donc une découverte. Et on va voir ça tout de suite alors. On va faire une nouvelle partie, bien sûr. Alors, les indices et remarques importantes dans le texte sont surlignés en jaune. Pourquoi? Ok, si vous souhaitez une expérience un peu plus difficile, vous pouvez désactiver cette fonction. Ok. Oui, vive les indices. Bien réfléchir, mais pas trop forcément. Ok. Le chat mort et vif. Il est minuit à Cape Town et je me dirige vers une nouvelle scène de crime. Pourquoi est-ce que je fais encore ce boulot? Je pourrais être n'importe où en ce moment, allongé tranquille à la plage, à boire une piña colada. Mais non, je travaille jour et nuit pour cette ville. Ma mère, elle voulait que je fasse autre chose. Un boulot ordinaire avec des heures de travail décentes. J'aurais dû l'écouter, elle avait raison, comme toujours. La vie d'un flic ici, c'est la folie. Mais bon, s'il y a une chose que j'aime plus que le lait, c'est résoudre des enquêtes. Inspecteur Waffles, on dirait un chat de gouttière qui arrive sur la scène du crime, comme d'habitude. Désolé, commissaire Patches, mais je ne pensais pas travailler ce soir. Alors, qui est la victime? Il s'appelait Fluffy. C'était le patron du box fourniture. Oh, j'adore leur boîte. Comme nous tous, Waffles. Comme nous tous. Est-ce qu'il s'est suicidé? Probablement pas, mais c'est trop tôt pour le dire. J'attendais que tu m'aides à démêler le vrai du faux. Vous me faites trop d'honneur, commissaire. Est-ce que tu as vu la jeune femme dehors à côté du grand portail? Non, pourquoi? C'est une amie de la victime. Elle voudrait rendre visite à notre amie Fluffy. Elle a sonné à sa porte. Personne n'a répondu, mais elle a vu quelqu'un sauter au-dessus du mur et disparaître dans le noir. Quelqu'un? Elle a juste vu une ombre au loin. Ok, je vais d'abord jeter un œil dans la maison, puis j'irai lui parler. Avant d'y aller, tu dois savoir que nous n'avons pas trouvé comment accéder au dernier étage. On ne peut pas défoncer la porte? Fluffy est mort, peu de chance qu'il se plaigne. Pas avant d'avoir l'autorisation des supérieurs. Si tu peux trouver une manière d'y aller sans endommager quoi que ce soit, ce serait super. Et si tu n'y arrives pas, n'oublie pas que tu as un atout dans ta poche. Un atout dans ma poche. Oui, une brillante ex-détective qui peut t'aider à tout moment. Ah non, je ne demande pas de l'aide à ma mère. Oui, elle est brillante, mais je n'ai pas besoin d'elle. Je préfère résoudre mes enquêtes tout seul. Oui, d'accord. Eh bien, si tu changes d'avis, regarde dans ton bloc-notes. Elle a dû y laisser un petit mot doux. Je lui ai dit de plus le faire. Bref, il est temps de rentrer dans la maison et de découvrir ce qui s'y passe. Ok, donc là, je vais faire quelques petits réglages. Vous m'excuserez. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand je passe de l'un à l'autre, vous avez plus la musique et moi non plus, donc on va faire un petit truc. On va faire un petit truc.
Qui va me permettre de régler ça sur mon stream deck. Quelques instants, s'il vous plaît. Tac, préférence. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Si je fais ça, est-ce que ça marche? Je teste un truc, hein, je teste un truc, j'arrive juste à voir si ça fonctionne. Et donc si je suis comme ça, même si je suis là, hop, est-ce que ça fonctionne? Yes, let's go. On est bon. Donc là, je peux couper la cam, couper le micro, tout va bien. Ok, nickel, on est parti. Alors, donc qu'est-ce qu'il dit, Patches? Patches, commissaire de police, dernier étage, ok. Je vais poser des questions. Ok. Tu sauras comment procéder notre enquête. Ok, d'accord. Aucun indice trouvé. Question, c'est bon. Je sais que je vais me procéder enquête tout seul, mais si tu es constaté, c'est que tu peux retourner contre. Absolument. Non, peut-être pas faire ça. Je peux sortir de ça ou pas? Ah oui, d'accord. Ok. Donc, lui, je lui ai parlé. Qu'est-ce qu'il y a comme poubelle. Bah, c'est tellement cliché. Tournevis cassé. Je peux faire un clic droit dessus. Je ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire, mais je parie que ça te sera utile dans ton enquête. Ok. Antimars, principalement des ordures, pas sûr que ça apprenne grand chose. Mon inventaire, il est où? Il est là, mon inventaire. Clic droit. Mais ce que c'est que je trouvais dans une poubelle. J'ai raison, je suis un vrai chat gouttière. Ok. Donc là, après, c'est la maison patchée Spluffy. Regardez. Voyons voir si je trouve quelque chose dans ses poches. Une photo faite avec un Polaroid. Voici à la plage avec un phare rouge derrière lui. Sûrement un indice. Ouais, d'accord, ça c'est bon, j'ai vu. Un inconnu pris en photo à la plage. Je me demande pourquoi Fluffy avait ça dans sa poche. Ok. Pelote de laine. Fluffy savait comment s'amuser. Je n'ai pas joué avec, même si j'en ai très envie. LOL. Alors, fenêtre. La victime est tombée de cette fenêtre. S'il n'avait pas déjà été mort, il aurait atterri sur ses pattes sans aucun problème. Je ne crois pas du tout au suicide. Ok. Eh ben maison, let's go. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? Est-ce qu'on peut regarder des trucs? Une tranche cet étage est un peu petit pour une maison aussi grande que celle-ci. Bon, ça n'a pas vraiment d'importance, c'est juste bizarre. L'important, c'est de trouver comment se rendre au dernier étage. Il y a un trou dans la bouche, je me suis dit, mais pourquoi faire? Ok. Je peux aller à. Non, je peux pas aller plus loin en fait, faut que je monte. Ok. Let's go, hein. Super. Alors, photo. Photo de Catherine en noir et blanc. Environ un siècle. Maintien déposé pendant. Aucune raison valable, putain. Je vais le faire, mais c'est bizarre comme nous, les chats, nous avons toujours cet instinct animal au plus profond de nous-mêmes. Statue. Surtout une ancienne ethnie, probablement du 9e siècle, originaire du sud du Dogo. Sud du Dogo, bien sûr, le Dogo, si je ne me trompe pas. Appelez-moi Chapolion.
Je plaisante, je suis détective, pas dogotologue. Je n'y connais rien. Dogotologue. Pont. Je sais pas où se situe ce pont, mais ça a l'air d'être un endroit où il fait bon vivre. Là, on a des portes partout. Et ben, allons déjà là. Alors. Je sais même pas comment se lit cet objet. Une brosse. Le petit chaton parisien, un parfum Yves Saint Laurent. C'est tellement cliché. Et pourquoi Fluffy aurait un parfum féminin chez lui? Quelqu'un a dû l'oublier si, peut-être son amante. Nouvel indice. Ok. Carreau. Un petit trou dans ce carreau, il y a quelque chose de l'autre côté. Est-ce que c'est quelque chose que je peux tirer? Oui. Une cachette secrète. Livre caché. Il y a un livre à l'intérieur. Carte du Kazakhstan du 18e siècle qui s'intéresse à ce genre de livre. Ah, litière. Je ne peux pas chercher les indices à l'intérieur de la litière, absolument pas. Ah oui, d'accord, ils n'ont pas de toilettes, quoi. Je ne me déteste pas suffisamment pour faire ça. Alors, les indices, livre rouge. Pardon, je fais n'importe quoi. Ok, personnellement je préfère les bandes dessinées. Attends, les indices, oui, pardon, les indices. Indice, parfum féminin, ok. Menu. Sauvegarde, on sauvegarde. Let's go. Bon, bah, y a rien de plus ici. On va sortir. C'était la salle de bain. C'est marqué maintenant, mais ok. Là, c'est quoi? Sympa la chambre, hein. Être riche a ses avantages. J'ai envie d'éternuer là. Alors, tableau. Miaogrit. Il y a quelque chose de bizarre au bout de ce tableau. Une cachette, c'est trop cool. Putain, mais il y a des cachettes partout. Rien qui n'a de la valeur. C'est Catsville magnifique, je ne l'ai jamais lu. Enfin. Je vais le cacher derrière un tableau, ça reste quand même suspect. Je suppose que si je veux le prendre avec moi. Skateboard. Très vieux skateboard. Quelqu'un a déplacé récemment ou a joué avec lui. Une des roues semble être cassée. Je vais la prendre, je pourrais peut-être trouver une utilité. Putain, on ramasse tout, hein. Ça dit quoi? Une roue cassée dans le skateboard. Quelque chose complètement inutile, ça me sera forcément utile. Plus utile qu'à Fluffy. Ok, coupe. Genre professeur professionnel de wool ball dans sa jeunesse. Waouh! Ça explique donc la pelote de laine dehors. Intéressant, il y a une lettre à l'intérieur. Mon tigre, je m'impatiente de vous entendre rugir. Tendrement M. Il dirait bien que Fluffy avait une dame dans sa vie. Je dois trouver qui c'est. J'aime beaucoup cette nouvelle perspective. Lettre d'amour. C'est que tu auras un vétéri. Chenifi. Je connais aucun de ces groupes. Je pourrais sortir de mon bureau parfois. Ok. Photo. Plus jeune, Fluffy était un chat très élégant. Il était riche, classe, intelligent et malgré cela, tout seul. En fait, il n'y a aucune photo de sa famille ou d'amis dans toute la maison. Peut-être que Fluffy voulait oublier quelque chose à propos de son entourage. Là, je me mouche le zoom. De vous épargner ça hein, quand même. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Photo, photo. Bon, bah, let's go, hein. Ah, attends. Il y avait une autre porte là, j'avais vu. Je me vais ouvrir la porte, il manque une poignée. Bah. Et alors si je fais genre ça, je ne peux l'accrocher à rien. Si je fais ça, ça rentre parfaitement.
Je veux pas sur la poignée, c'est trop glissant. Oh mais... Je suis trop fort. Non? J'ai fabriqué une poignée. Et il est temps de voir ce qui se cache derrière la porte. Let's go. En même temps, c'est le début, c'est normal que ce soit pas très compliqué. Tous les chats qui ont de l'argent ont une bibliothèque chez eux. C'est un grand classique. Et comme à chaque fois, aucune d'entre elles ne contient une seule bande dessinée. Livre? Livre classique populaire écrit par des chats. Un des livres est manquant. Ah! Livre, encore des livres, mais cette fois, ils sont marrons. Ok, j'ai compris. Collection de livres, je n'arrive pas à lire les titres. L'argot des chiens. Les accents des chiens tout autour du monde. On est en plein dans la catégorie des livres sur les chiens. Ce sont des livres sur l'évolution. Quand nous avons appris à marcher sur deux pattes il y a très longtemps. Bon, c'est collection de cartes du monde. Je n'ai jamais été ailleurs qu'à Cat Town. Il n'y a pas de livres dans la collection. J'ai compris ce que je devais faire. Je regarde juste s'il y a d'autres indices. Ok, et ben très bien. Donc, hop, on y va. Livre rouge ici. Je me demande ce qui va se passer si je remets ce livre à sa place dans la collection. J'ai entendu un petit truc, mais rien d'autre ne s'est passé. Si je mets le livre bleu en plus, bien sûr. Une porte secrète, comme j'aimerais en avoir une chez moi aussi. Mais pourquoi cacher l'accès à tous les étages de sa maison? Cette enquête va être très intéressante. J'ai bien fait de fouiller les poubelles au départ. Hein. Ça va ressortir sinon et tout. Let's go. Un bureau secret. Qu'est-ce que Fluffy cachait ici? Fluffy. Fit à cet homme. Okay. Piano. C'est un chapin. Mélodie préférée. Dommage que je ne sache pas jouer du piano. Ok. Salle de bain. Attends, on va déjà regarder sa plante verte. J'ai besoin pour le confort. La plupart d'entre nous veulent rester propre et en bonne santé. Alors, je n'ai plus besoin d'un bon verre de clé. Oh, quelque chose, on dirait qu'il y a un poil coincé dans une de ses branches. Poil. Que voilà ici. Ce poil n'appartient pas à Fluffy. Cela ressemble à un poil de chien, mais je ne peux pas le confirmer. C'est plus qu'un bout de papier sur ce panneau. Des queues de souris, de la graisse de canard, du saumon. C'est une liste de courses, Fluffy. Elle m'a visiblement bien mangé. Pourquoi y a-t-il une liste de courses épinglée à ce panneau? Je ne comprends pas. Je n'aime pas ne pas comprendre. Je la prends avec moi. Tiroir. Ouais. Lettre d'insulte. Certains Erwin a écrit cette lettre il y a une semaine. Intéressant. Parmi tous les noms d'oiseaux que contient cette lettre, Fluffy est curieusement traité d'ornithorynque. Je ne savais pas que ornithorynque pouvait être une insulte. Ils sont pourtant si mignons. Ok. Ok, quelqu'un posait le fluvier à travers la fenêtre. Qu'est-ce que c'est vert? En tous les cas, celui qui l'a jeté à travers la fenêtre était vraiment très fort. Ah oui, je voulais faire ça aussi. Je vais couper les. Pardon. Ça pour le replay, je vais couper. Pardon. Je coupe ça, comme ça. Je vais plutôt mettre ça. Hop là. Voilà. Pardon. Ça coupe les musiques, merde. Non. Ah. Alors, j'ai pas vu le PC encore. Alors, comme ça, Fluffy avait l'habitude d'aller dans son bureau. Et comme le tueur était c'est probablement échappé, je dois en informer Patches. Mais j'y étais déjà tout à l'heure. Hey, pardon. Et comment ça se fait que j'ai la salle de bain là? Ah, c'est genre tu descends directement à la salle de bain. Ok. Ordinateur. Donc on s'est trouvé tout à l'heure, mais c'est ça. Bon bah, let's go. Hein. Attends, est-ce que j'ai tout vu en fait? J'ai un doute.
J'ai un doute, ça, j'ai un doute, j'ai un doute, j'ai un doute, ça. C'est bon, j'ai vu ça. Bah, let's go, hein. On est bon, on est bon, hein. C'est bizarre qu'on passe par la salle de bain, en fait. Enfin, bref. En fait, je me demande si je peux pas. Je sais pas si je peux récupérer le truc, le tournevis. Non, je peux pas en fait. Sauf que je pouvais faire un truc avant en fait. Tempi, tempi, tempi. Réseau, hein. Alors. Trouver un bureau secret au dernier étage. Et beaucoup de sang. Faut envoyer les médecins légistes là-haut. Est-ce que tu penses que le tueur connaissait le bureau? N'aurait-il pu y accéder de son propre chef? Difficile à dire. Je ne sais pas s'il était invité ou s'il savait comment s'y rendre. Attendez, je vais couper le téléphone. Bum, 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 bum. Ok. Attendez, je vais mettre un petit bruit. Hop là. Alors. Donc, je sais pas s'il t'a invité ou s'il savait comment s'y rendre. Encore une enquête incroyable à résoudre, Waffles. On dirait bien, oui. Et rien de clair et net pour l'instant. Essaye d'être un peu plus optimiste, Waffles. Nous avons déjà résolu de nombreuses affaires délicates dans le passé. Je pense juste que ce n'est pas le bon moment pour être optimiste, commissaire. Il y a un chat mort à quelques mètres de nous. Mais c'est pas faux. Célébrera quand on aura résolu l'affaire. Quelque chose de salé. Où est le témoin, commissaire? Dehors devant la maison, devant sa maison. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons lui poser quelques questions. Donne-moi une minute, je dois d'abord finir mon milkshake. Sérieux, c'est la chose la plus importante du moment? Je ne peux pas réfléchir sereinement tant que j'ai à boire. Laisse-moi tranquille le siroter, Waffles. Laisse-moi le siroter tranquille, je te remercie. N'essaie pas de m'en dégoûter comme la dernière fois. Parler de nourriture salée quand je suis en train de boire un milkshake. Respecte le milkshake, Waffles. Peut-être que je devrais lui demander. Je crois que je vais parler d'un indice ou d'un objet différent. Si je fais ça. Je peux pas faire ça? Des queues de souris, de la graisse de canard. Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Pas ça encore! Tu peux avoir. Je suis en train d'avoir mon milkshake. C'est-à-dire, je partage juste ce que j'ai trouvé dans le bureau secret. Une liste de courses. Je pense que je suis stupide. Non, mais c'est vrai, non, je vous informe juste de ma trouvaille. La graisse de canard et du milkshake. C'est dur d'être un gourmet de nos jours, tu me dégoûtes. Et vous êtes encore en train de boire votre milkshake, commissaire? Ça pas cette fois. Allons-y, Waffles. Ah non, Lumo le reporter est déjà ici. Ce chat est vraiment suspect. Salut. Non, c'est toujours plus que ce qu'il devrait. Ceci, à chaque fois, le premier journaliste arrive sur une scène de crime. Comment fait-il? Bah attends, mais il est où? Ah, il est là, ok. Bonsoir, inspecteur. Est-ce que c'est vrai que Fluffy a été tué par un chien? Il y aura une déclaration dès que nous estimerons que cela sera nécessaire. Allez, Patches, lâchez-moi une info pour mes lecteurs. Nous n'avons aucune idée si le tueur est un chien. Peut-être que c'est un dragon ou une licorne. Toujours aussi drôle, Patches. Et merci pour l'info, en tout cas. Quoi? J'ai absolument rien dit. Là, tu venais juste dire que Fluffy a été tué. Personne ne le savait encore. Ah oui, bon, on n'a qu'à prétendre que cette conversation n'a jamais eu lieu. Ok, Limo? Waffles, ne traînons pas ici, je vois. Tu vois la personne là-bas, c'est notre témoin. Peut-être qu'elle peut nous aider. Nous avons déjà trop parlé à lui. C'est mieux de l'ignorer, de peur que Patches en dise encore trop. En fait, Patches est le pire enquêteur que j'ai pu rencontrer. Pourtant, on s'enquête.
J'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de résoudre une enquête de 7 ans. Enfin, okay. Tout le monde me dit que je devrais acheter une nouvelle voiture. Qu'est-ce qui ne va pas avec celle-là? Elle roule. Pas très vite, mais elle roule. Ok, cheminée. Mais il ne fait pas si froid que ça. Pourquoi la voisine a-t-elle allumé sa cheminée? Millie. Let's talk. Bonsoir madame, je suis l'inspecteur Waffles et voici le commissaire Patches. Ravi de vous rencontrer, inspecteur, mais je suis désolé, j'ai besoin de repos après ce qui arrive à mon cher ami. Je suis désolé de vous déranger, je sais que ce n'est pas le bon moment pour vous poser des questions. Est-ce que vous étiez seul quand vous avez vu le corps? Ah, j'ai oublié une phrase, est-ce que vous étiez entré dans la maison, ça? Peut-être que vous n'avez pas de mari. C'est mieux si je dirige l'interrogatoire sans vouloir vous vexer, commissaire. Très bien, Waffles, vas-y, j'observe. Merci, on peut commencer, madame? Millie, vous pouvez simplement m'appeler Millie. J'ai quelques questions à vous poser, Millie. Je vous aiderai autant que je peux, inspecteur. Un voisin? Est-ce que vous connaissez la victime? Oui, c'était un gentil voisin, je n'ai jamais eu de problème avec lui. On parlait de fleurs, de cuisine, de voyage. On n'échangeait que des banalités, rien de plus sérieux. Seulement des conversations de la sorte, inspecteur. Je parie que tu as quelque chose pour prouver le contraire, Waffles. Ça peut-être. J'ai vu une bouteille de parfum féminin dans la salle de bain. Cela pourrait appartenir à n'importe quelle dame, inspecteur. Elle n'a pas tort, tu as besoin d'un indice plus précis. Quelqu'un a laissé cette lettre d'amour dans la maison. Est-ce que cela vous semble familier? Inspecteur, je n'ai pas le seul nom qui commence par M dans ce Cattown. Ça ne vient pas de moi. Est-ce que vous savez si Fluffy était en couple? Comme je vous l'ai dit, nous échangeons que des banalités. Alors nous devons trouver qui est cette admiratrice M. En fait, je suis en train de comprendre comment tu cliques indice ou sac, etc. Okay. Admiratrice de Fluffy. Ok, alors disons que vous n'avez rien à voir avec cette lettre. Selon vous, qui est M? Fluffy était célibataire, je crois. Pour être honnête, je ne l'ai jamais vu avec quelqu'un dans sa maison. Vous avez dit que vous parliez de nombreux sujets. Mais jamais de celui-ci. Fluffy était quelqu'un de casanier. On ne croit pas qu'il recherchait quelqu'un dans sa vie. D'amour, ok. Et le poil non plus, ok. Bah, je sais pas trop, hein. Question? Ah! Le parfum féminin, c'est un parfum. Le petit chaton parisien, après tu sais, si. Ah oui, je vais essayer tard, ça marchait pas, faire la lettre d'amour d'abord. C'est pour ça que je l'admets. Attends, j'ai déjà fait ça. Le petit chaton parisien, pour être plus spécifique. Je ne sais pas de quoi vous parlez, madame Millie, sans nous dire la vérité. Inspecteur, je n'ai pas écrit cette lettre. Ce n'est pas non plus mon parfum. Et je n'ai pas de souvenir d'avoir eu Fluffy avec une dame. À part vous, vous êtes allé à l'intérieur de cette maison. Oui, moi aussi. Acceptez-moi, inspecteur, vous avez raison. Sauf que Fluffy était mon ami, je n'ai aucune raison de vouloir le tuer. Qu'avez-vous fait ces dernières heures? Rien de spécial, j'étais chez moi, je regardais la télévision. Je n'ai pas sorti. Non, je suis plutôt en chaise intérieur. J'aime rester tranquille dans ma maison. Même si c'était une soirée agréable et même plutôt chaude pour la saison? Oui, inspecteur. Pour être honnête, je préfère quand les nuits sont plus fraîches. Alors pourquoi faites-vous un feu de cheminée? Parce qu'il faut, il fait vraiment froid dehors, dedans. Avez-vous besoin de brûler quelque chose d'important, Billy? Qu'insinuez-vous, inspecteur? Bien sûr que non! Est-ce que ça vous dérange si nous jetons un miel à l'intérieur de votre maison? Avez-vous une preuve concrète me durant la mort de Fluffy? Non, j'en ai pas. Est-ce que vous avez un mandat, inspecteur? Non, mais... Alors, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas rentrer. Vous êtes bien informé sur vos droits, madame. Enfin, je m'occupe de trouver un mandat si je pense que c'est nécessaire, mais... En l'état, nous n'avons aucune preuve que Millie soit liée à la mort de Fluffy. Merci, commissaire Patches. Pour moi, c'est juste Patches, madame. Je veux l'avouer, vous avez une manière très particulière de mener un interrogatoire, commissaire. Le tueur. Est-ce que vous avez vu le tueur? Presque. De ma fenêtre, j'ai vu quelqu'un courir dans le jardin. Quelqu'un de grand, costaud. Probablement pas un chat. Un plus le concernant? Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez qu'il avait des poils blancs, la même couleur que ce poil?
Non, c'était plus sombre, il me semble. Ah, un deuxième tueur était là aussi. Peut-être, peut-être pas. Mais nous ne pouvons pas le dire pour le moment. Billy, vous êtes sûre et certaine que ce n'était pas un chat? Je ne sais pas, je n'ai pas vu son visage. Juste une ombre vraiment imposante. C'est arrivé si vite, je suis désolé, inspecteur. Pas de problème, Billy. Vous savez ce qu'on dit. La nuit, tous les chats sont gris. Merci pour cette intervention, commissaire. Mais de rien, Waffles. Les ennemis de Fluffy. Quelqu'un lui voulait du mal. Il possédait une société qui rapportait beaucoup d'argent, donc j'imagine que oui. Pouvez-vous me dire un nom? Quelqu'un qui pourrait avoir une raison de le voir mort? Pas vraiment, désolé, nous n'avons jamais parlé affaire. Ok. La lettre d'insulte. Est-ce que vous connaissez un chat dénommé Erwin? Je ne le connais pas personnellement, mais Fluffy me l'a mentionné une fois. Erwin était son frère, mais ils ne se sont plus parlé depuis des années. Est-ce que vous avez une idée où je pourrais le trouver? Non, désolé, en fait, Fluffy ne sait pas si son frère est mort ou est vif. Mort ou vif? Certains disent qu'il est mort, d'autres disent qu'il est vivant. Ça dépend de votre point de vue. J'ai rien compris. Est-ce que vous savez à quoi ressemble Erwin? C'est un chat noir, c'est tout ce que je sais. Est-ce que vous pensez qu'il aurait une raison de vouloir tuer son frère? Aucune idée, inspecteur, je ne l'ai jamais rencontré. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Merci pour votre aide. Au revoir, inspecteur, et merci à vous, Patches. Vous avez été très galant. C'est normal, madame, je fais juste mon travail. Quel suceur! Quel débile! Qu'est-ce que tu en penses, Waffles? Je pense qu'elle ne nous dit pas tout. Moi aussi. Si Fluffy était son amant, je ne peux pas dire. Pas dire. Oui, d'habitude, je comprends ce qui se passe, ouais. Peut-être que je deviens vieux, commissaire. Voilà, bref, on se voit demain, Waffles. Bonne nuit. À demain, commissaire. Ah, c'est fini. Je peux rien faire de plus. Ça dégoûte. Hop là, pardon. Il n'est pas autant innocente qu'elle prétend l'être. Elle connaissait parfaitement la victime. Mais comment je peux le prouver? Et Fluffy? Pourquoi avait-il un bureau secret? Où est Erwin? Et qui est cet inconnu du peu sur le Polaroid? Il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à comprendre en ce moment. Savez-vous que Maple peut sauver la ville tout simplement parce qu'il est un incroyable businessman? Votez pour Maple et Cat Town aura autant de succès que ses entreprises. La politique, Berk. Sur KFM, ça parle de quoi? Votez pour Cookie, il est le meilleur candidat pour la ville. Votez pour Cookie, vous serez encore plus heureux. Ça n'est resté sur notre radio. Et nous avons Lumo, le reporter en direct de la maison de Fluffy. Racontez-nous ce qui s'est passé. Ce chat est partout. Fluffy, le célèbre milliardaire, a été retrouvé mort chez lui. Le commissaire Patches nous a confirmé qu'il a bien été assassiné. Inspecteur Waffles sera en charge de l'enquête. C'est lui qui a arrêté Snowball sur le toit de l'immeuble lorsqu'un inspecteur en est malheureusement tombé. Ok, assez de radio pour ce soir. Ok. The Dead and Life Cat, évidemment, Schrödinger, ça. Alors, ouais, j'ai pas, du coup, j'ai pas lu. Je pensais que ça allait rester affiché. Jouer au chat et à la souris. Waffles! Waffles, réveille-toi! Je suis en train de dormir, commissaire. C'est bien ça le problème, Waffles. Tu n'as pas d'appartement? Je suis bien ici. Dans mon bureau, c'est un ordre. Quelqu'un d'important est ici pour te voir. Que j'arrive, donnez-moi juste 5 minutes. 2 minutes. Et débarbouille-toi un peu, s'il te plaît. Ne fais pas attendre notre invité. Ok. Cette flasque de lait, 6 ans d'âge, ça ne peut pas être mauvais. Enfin, pendant les heures de travail. Cette flasque pourrait être utile pour plus tard, selon comment la journée se passe. Ok. Oh, agréable à vivre, ok. Document. Bien joué. Je vais faire ça dans mon bureau aussi. Mettre des piles de documents pour que les gens puissent pas s'asseoir. C'est plutôt un bon plan.
J'ai un petit message, je regarde vite fait. Ok, très important. Alors, photo de chance. Un chien pas très intelligent, mais avec un nom prédestiné. Si un dieu pour les chiens, ce bon dieu a été béni comme personne d'autre. Il est tellement connu pour sa chance que les gangsters l'ajoutent à leur équipe pour n'importe quel braquage ou mauvais coup. Même s'il ne sait absolument rien faire de ses pattes, c'est un porte-bonheur. Ok. Pepper. Un chat et voyou plutôt malin. Il a géré un business illégal de lait distillé. On a mis fin à ce système mafieux, on l'a mis en prison. 2 semaines plus tard, il s'évadait, personne ne sait comment il a pu faire ça. Depuis, plus aucune nouvelle, il a disparu des écrans radar. Très bon. À ne pas sous-estimer. Donc ça, c'est Pepper. Chance. Chance, c'est un chien, on dit. On dirait une photo de chat, mais bon, bref, ok. Enfin, après, c'est pas non plus méga... Meatballs. Gros muscle pas très futé, je le connais depuis longtemps. On a été à l'école ensemble, le plus jeune, il avait peur de rien, à l'exception de sa mère. Bon, il est énorme, à chaque fois que quelque chose de mauvais arrive dans cette ville, il est toujours là, près, de près comme de loin. Meatballs est activement recherché par la police. Donc lui, il a disparu. Lui, c'est les gros bras. Lui, il est intelligent. Et lui, c'est... le mec qui se fait épiner, quoi. Un miroir. Bureau. Je suis pas facilement. Plante verte. Inévitable, je ne suis pas capable de garder une plante vivante. Ok. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour de la question, hein. Oh là. J'attends la branche cassée, je l'ai suivi à l'université des inspecteurs, une affaire passionnante. Ça a l'air effectivement brique apparente. L'immeuble tombe en morceaux. Ok. Bureau de patches. Faut que j'aille me débarbouiller normalement, donc je vais à l'étage inférieur, peut-être non. Pas vous pouvez dans mon bureau s'il te plaît. Ah non, ok. Ça se tentait, hein, ça se tentait dans le hall peut-être. Ok. Let's go. Bonjour Waffles, je suis content de vous voir ici. Mère Cookie, quelle surprise, qu'est-ce qui vous amène ici? Il nous a apporté des croissants, et ils sont super bons. J'ai envie de bouffer là. Je vous le dis. Ok. En effet, mais prenez un croissant d'abord, ils sont excellents. Merci monsieur le maire, je veux dire qu'ils ont l'air délicieux. J'apprécie que tu en prennes, je pensais que tu aimais seulement les gaufres Waffles. Oh monsieur le maire, c'était hilarant. La fois que j'entends cette blague, désolé mais c'était vraiment tentant. Bon, restons sérieux maintenant, j'ai besoin de vous parler de Fluffy. C'est une tragédie, en particulier pour moi. Je connaissais Fluffy depuis la maternelle. Nous étions comme des frères. Mes condoléances. Je suis venu pour vous dire que j'aimerais toute votre attention sur cette enquête. Vous devez trouver qui a tué mon ami. Chaque instant dans les arbres, c'est terminé. Cette enquête est désormais votre priorité. Pas de problème, monsieur le maire. Nous sommes dans une année électorale. Je ne peux pas me permettre d'avoir un tueur en liberté. Maple est en train de dire à tout le monde que je suis un lâche, que Cat Town est la pire ville. Et j'en passe. Si ça continue, ma campagne pourrait tourner au désastre. Quel menteur! Vous pouvez compter sur nous, monsieur le maire. Quel suceur. Je souhaite... Vous souhaitez me dire autre chose? Vous pouvez y aller, merci. À bientôt, monsieur le maire. Meilleure enquête dépressive, si je peux me permettre. Vous avez eu une chance, monsieur le maire. Sans le faire. Je sais que Waffles est talentueux. Ce n'est pas un problème. Il ne peut pas sortir de ses gonds comme il l'a fait avec l'affaire Snowball. Ça deviendra problématique pour lui. Il ne le fera pas, je vous promets. Bien, parce que c'est la dernière chance de rester dans l'équipe, Patches. C'est la dernière chance de rester dans l'équipe, Patches. Ah ben, c'est sympa. Si je vais dans le hall, il se passe quoi? Aujourd'hui. Inspecteur Mythe.
Inspecteur Might, Inspecteur Meat, Termite, Inspecteur Meat. Ah oui, d'accord. Il me fatigue parfois. C'est Patches qui a fait ça. Inspecteur Meat. C'est une bureau de pancakes avant. Mais ça, je n'ai pas envie d'en parler. Pancakes. On en saura plus, sans doute, au fur et à mesure de l'histoire. Fin d'interrogatoire. Je n'ai pas envie d'aller dans ce cantina. Personne interrogé. Ok, je ne suis pas superstitieux, mais ça me rend anxieux. Est-ce que j'irai pas voir Pixel? Ah oui, d'accord. Comment ça va? Ça va, je suis en train d'optimiser la conception de la base de données principale. Évidemment, l'ancien modèle relationnel n'était pas normalisé. Un coup, j'essaie de réparer. Je n'ai pas compris un seul mot de ce que tu viens de dire. Alors, pour faire simple, si tu veux enquêter ta... Tu peux requêter ta base de données. Encore plus simple, s'il te plaît. Fais de mon mieux pour que les ordinateurs aillent plus vite. Merci, là, je comprends. Toujours aussi peu doué avec la technologie, Waffles. Tu pourrais me dire que c'est mon ennemi juré, sincèrement. Ordinateur. Pixel est en train d'écrire du code informatique. J'aimerais comprendre ce qu'il est en train de faire. Mais tout ce qui touche l'ordinateur me terrifie. Pixel a collectionné les bibelots. Oh, le geek, le geekos, quoi. Aïe, 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 panneau. Je ne comprends rien au blabla technique. Je ne suis pas un geek. Autant de sens qu'une langue étrangère. Est-ce que ça a un sens de voir le... de vouloir le déchiffrer? Machine ADN. La machine ADN est cassée. Oh, la manière de la réparer. Regardez dans les petits rocs, tant que Pixel est là. Ok. Bien sûr, est-ce que tu as quelque chose à me montrer? Et j'ai bien attendu que tu arrives pas dans la maison. Oui, j'ai ça. J'ai trouvé ce poil dans le bureau de Fluffy. Intéressant. Je peux le garder? Bien sûr. Avec un peu de chance, ça pourrait être une très bonne piste. Tu peux essayer de ton machin pour qui analyse l'ADN et me dire à qui ce poil appartient. Et la machine est cassée. Malheureusement, le scanner ADN est inutilisable. Il est cassé. Depuis quand? Je ne savais pas. T'es arrivé il y a 3 jours. Il t'a vu avec une balle dans mon bureau. Putain. Celle. Je sais que tu ne veux absolument personne dans ton bureau en ton absence. Tu fermes toujours la porte derrière toi-même pour sortir quelques secondes. Je n'ai aucun doute sur le fait que tu es celui qui a cassé le scanner ADN. Ne dis pas, Patine! Je ne dirai rien, c'était pas mon problème. Et si tu pouvais m'aider à trouver un nouveau processeur pour le réparer, tu me sauverais vraiment la vie. N'importe quoi dans la catégorie X8. Bien sûr, je vais t'en trouver un sans problème. Ouais, non. Attends, si ça, peut-être. Je trouvais ce polaroid sur le corps de Fluffy. Ce n'est pas la victime. En effet, ça, je le sais déjà. Tu peux me dire qui est cette personne? Non, je ne l'ai jamais vue. Ok. Peux-tu cette fois vérifier en utilisant tes trucs technologiques? Je n'ai aucun logiciel de reconnaissance faciale, Boafont. Ça paraît bien que moi, on n'a pas un, d'ailleurs. J'ai demandé à Patel ce qu'il m'a loué en pour ça, mais il n'a pas répondu à mes emails. Faut que Patches comprenne ce dont tu as besoin. Je suis quasiment certain qu'il ne sait pas comment utiliser sa messagerie sur son ordinateur. Il devrait lui demander de visu. Au moins, tu peux être sûr qu'il recevra bien le message. Ah, c'est vrai, parfois j'oublie de demander et tout, dirait elle. Et je lui dis, enfin, si tu pouvais m'aider à me dire qui est ce chat sur la photo, ça m'aiderait. Donne-moi un peu la oreille de te comparer avec les autres photos de personnes que nous avons là-bas. Ça risque de me prendre du temps. Une seconde. Voilà, une copie de Polaroid, tu peux la garder. Pixel, comment tu fais pour faire une copie sans bouger de ta chaise? Essaye de pas te comprendre, moi, c'est trop technique pour toi. Ok. Est-ce que j'ai autre chose à lui montrer? La liste de courses, ça marche pas, la lettre d'amour? Ok. Non. Ça, c'est bon, ça, c'est fait. Quelqu'un prénommé Erwin lui envoie une lettre menaçante. Intéressant. Je vais scanner ce nom à la base. Il y a 30 ça qui portent le même nom en tout cas de temps. C'est pas beaucoup, hein. Ça fait beaucoup d'Erwin. Ça peut aider, il est le frère de Fluffy. Ça peut aider. Putain. Je vais y arriver. Faut que je fasse ça. Ça fait beaucoup d'Erwin. Ça peut aider, il est le frère de Fluffy. Malheureusement, je n'ai aucune information concernant les relations entre personnes dans la base de données. T'avais dit qu'elle était contie avec les pattes.
Comment ça, tu peux pas différencier deux chats avec le même nom? Est-ce que tu as déjà rencontré un chat avec un autre tamis, Waffles? C'est pas faux. Du coup, je suis coincé. Peut-être qu'il y a une possibilité, mais tu ne vas pas aimer l'entendre. Ouais, me dis pas ce petit. Petit est un excellent tien renifleur, Waffles, pour aider à trouver Erwin. Ouh, Erwin. Sérieusement, comment tu peux croire une seule seconde en ces méthodes? C'est fini, on n'est plus à la préhistoire. Il est efficace, Waffles. Il est vraiment un vent tunisien. Il devrait lui demander de l'aide. Ou tu peux frapper à une trentaine de portes éparpillées dans la ville. Tu peux pas dire. Pixel a fait tout ce qu'il veut pour m'aider. Il est temps d'aller voir ce petit et demander ce que je. Jamais pensé avoir besoin de son aide. Ok. Oui, je voulais faire un truc. Je voulais baisser la musique parce que la musique est forte. Voilà. On est mieux comme ça. On va sauvegarder, bien sûr. Ok. Bah, let's go. Attends, il n'y a pas un truc sur le cactus là? Quelqu'un a laissé une note sur le cactus. Soyez prudent si vous approchez trop près, je peux vous piquer. J'ai tout regardé là, je veux pas trop ce que je peux faire de plus. Toujours là avec Cookie ou pas? Ok. Ben, let's go hein. Faut aller chercher le chien là. Il s'appelle comment le chien d'ailleurs? Non mais indice. Ok. Je sais plus, j'ai oublié. Mocha? Salut Mocha, comment ça va? Qui est-ce? C'est Waffles. Ah non, pas toi. Laisse-moi tranquille. C'est une meuf. Ravi aussi de parler, Mocha. Tu t'es entendu, Waffles. Pourquoi tu ne peux pas être comme les autres policiers? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est moitié mon temps à remplir des papiers administratifs à cause de toi. Pas seulement des mandats, non. Je veux justifier pourquoi tu voles des indices sur les scènes de crime. Je ne les vole pas, c'est juste que ça permet de résoudre des affaires plus rapidement. Est-ce que tu connais le mot procédure, Waffles? J'allais le dire. Oui, c'est un synonyme de me fait perdre mon temps. Tu nettoies jamais derrière toi quand tu manges à la cantine. J'ai reçu au moins 10 plaintes concernant les ordres que tu laisses derrière toi. Mince encore? Parfois j'oublie que. Parfois j'oublie. Je suis concentré dans mes pensées, je suis sincèrement désolé, je ferai plus attention la prochaine fois, promis. Qu'est-ce que tu veux, Waffles? Ok, tu as raison, je ne suis pas le meilleur des collègues que l'on puisse avoir. Tu mérites d'être entouré par des policiers gentils, poli et organisés. Ils sont vrais à tout dans l'équipe. Tout le monde devrait être heureux de t'avoir parmi nous. Avec la bonne pommade. Waffles, tu peux faire mieux que ça. Complimenter n'est pas suffisant? Non. On va faire autrement. Apporte-moi plutôt un petit déjeuner avec un café à la cannelle et un croissant aux amandes. Merci. Ensuite, on verra si je peux t'aider. Et voici un croissant. Est-ce que c'est un croissant aux amandes? Non, juste un croissant normal, mais il est vraiment délicieux. Désolé, je préfère ceux avec des amandes. Sérieusement? Je savais même pas que ce type de croissant existait. Ça me donne envie de bouffer un croissant. Est-ce que tu as désespérément besoin de mon aide ou pas? Bon, ok, je vais t'en trouver un avec des amandes. Essaye une boulangerie. Merci d'info. Est-ce que j'ai un truc à lui montrer? Eh ben, let's go, hein. Question, j'ai des questions à lui poser ou pas? Centre administratif du commissariat, et ben du coup je peux quitter ou pas? Attends. Ah oui, je peux quitter, peut-être une autre fois. Okay. What the fuck? Faut que je trouve une boulangerie, il faut que je trouve le chien, renifleur. Ah putain. Waffles, comment ça va mon ami? Un peu la gueule de bois, mais à part ça tout va bien. Tu dors toujours dans ton bureau? Ouais, ne dis à personne. Pas besoin, tout le monde le sait déjà, Waffles. Est-ce que tu es occupé? Je voudrais te parler de quelque chose avant que Fluffy finisse ses jours dans sa dernière boîte. Je suis encore qu'à moitié réveillé, s'il te plaît, je n'ai pas envie de commencer la journée avec des mauvaises blagues.
Enfin quelqu'un qui comprend, merci. Parce que Fluffy possédait Box Fourniture qui fabrique les fameuses boîtes en carton. On se prend la poire quand même. Oui, dommage, je suis sûr qu'ailleurs ma blague aurait fait un carton. Putain. Bref, à propos de la mort de Fluffy. C'est mieux si on en parle dans la morgue, ok? Est-ce que c'est Fluffy? Oui. Il est costaud quand même. J'ai peur qu'il ne s'emboîte pas bien dans la caisse qui l'attend. Ça y est, c'est fini les blagues. Franchement, Waffles n'était pas si mal que ça. Bon, c'est pas grave. Je suis un artiste incompris. Ouais, on va dire ça. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le tueur? Pas grand-chose à part qu'il était très fort, puissant. Un chat ne serait pas capable de soulever et de jeter quelqu'un d'aussi lourd à travers une vitre. Ça confirme mes suspicions. Fluffy a été tué. Est-ce que tu vois ces bleus sur ses poignets? Ouais. J'imagine que quelqu'un l'a tenu avec une telle force que Fluffy n'était pas capable de se défendre. Exactement. Fluffy n'était pas très jeune, mais c'était quand même un chat d'une certaine corpulence. Il était jeté comme un vulgaire sac poubelle. Une force de la nature, certainement. Alors si ce n'est pas un chat, ça va être un chien, non? Possible. Mais vraiment un gros chien, ou alors... Ou alors quoi? Il y a une plaie profonde bleue sur son bras gauche. C'est tout à fait possible qu'un chien puisse être à cause, mais... S'il avait été attaqué par... Un loup. Un loup? Morty, sérieusement. Tu sais que les loups ont disparu depuis bien longtemps. Je sais, mais... J'ai jamais vu un chien. Causer. Causer. ER! Causer! Une blessure comme celle-ci. Désolé, mais je n'ai pas mieux comme explication pour le moment. Bon, eh bien, je vais devoir te prouver que les loups n'existent plus. Merci pour ton aide, Morty. Pas de problème, moi, Fuzz, à ta place, j'en tiendrai compte. On sait jamais. Bref. J'arrête avec ma théorie. Je ne veux pas en faire des caisses. Badam tss, badum tss. Tu l'as pas vu venir, celle-là. Adieu, Morty. Être un nouvel objectif. Oui, malheureusement, cette fois c'est un chat qui a sauté dans le toit d'un immeuble. Notre suicide? Grand qui pensait qu'il avait 9 vies. C'est ce qu'il a écrit dans cette adieu Waffles. On dirait que de plus en plus de chats y croient. Franchement, il n'y accorde pas trop d'importance. Tu as d'autres chats à fouetter. Je ne sais pas si j'aime ton humour ou si tu es vraiment lourd, Morty. Comme c'est gentil de ta part, inspecteur. Bon bah let's go hein. Vous allez chercher du café aussi? Et un processeur? Putain. Un machine à café. C'est comme si quelqu'un essayait d'empoisonner tout le commissariat. Je ne boirai plus jamais une seule goutte de ce. Mais je vais prendre un gobelet quand même. On ne sait jamais, ça pourrait servir. Mettez pour un interrogatoire. Bon. Ou pour la fin par plus dans ma voiture. Ok. Ok. Personne n'est dans celui en ce moment. La morgue, on est bon. Du coup, je vais sortir. On rentre par la morgue et tout, ok. Ah, il y a un raton laveur. Tu sais ce qui me manque le plus de ma ville? Le saumon rouge fumé de chez Foxy Burger. C'est vraiment le meilleur endroit au monde. Imagine, le goût, l'odeur. Bon, j'aime pas le poisson. Ça me... Ouais, ça sent... Attends. Enfin, juste un truc pour les courses, là. Est-ce que techniquement, je pourrais aller faire des courses encore? Ou est-ce que ça ferme à 20h? Je pense que ça fait 20h. 20h30? Ah! En frais? Bof, je n'aime pas le poisson. En vrai, je vais peut-être aller faire ça. Ah bon? Sérieusement? Ça sent vraiment pas bon. Comme le fromage. Seulement le poisson, les fruits de mer en général. Ils puent tous! Oh, ok. Alors, qu'est-ce que tu aimes manger? J'aime les hot dogs. Oh, pas mal, Spati, pas mal. Je ne savais pas que tu aimais plaisanter. Mais j'aime vraiment beaucoup les hot dogs. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Parce que tu es un chien qui aime les hot dogs. Beaucoup de chiens aiment les hot dogs. C'est très bon les saucisses. Je pourrais les écouter parler pendant des heures. Mais j'ai besoin de Spotty pour m'aider dans mon enquête. Ça ne me rend pas fou avant. Salut Spotty, comment ça va? Bonjour inspecteur Waffles. Ça va, pas grand-chose à faire en ce moment. Voici Howard. C'est un inspecteur qui vient de... D'où déjà? Disons que je viens de loin. Ravi de vous rencontrer, inspecteur. J'ai entendu que de bonnes choses à votre sujet. Ravi de vous rencontrer, détective. Spotty, j'ai besoin d'un coup de patte. J'ai cru comprendre que tu étais un talentueux chien renifleur. Peut-être que tu pourrais m'aider. Un travail pour moi? Bien sûr que je suis disponible.
Waouh, ok, merci, et reste calme s'il te plaît. J'ai une lettre qui a été écrite par un certain Erwin. Est-ce que tu es capable de me dire où est-ce qu'il habite? Bien sûr, laissez-moi la renifler. Père, quel sang de poisson, horrible! Peut-être que je peux aider, j'ai aussi un bon odorat. Aucun problème, Howard. Puis on est de fou. Il y a des notes de sauce tomate et de cabillaud grillé. Oui, je le sens aussi. Ça nous dirige vers cette direction. Ça va être une longue journée, Howard. Merci de nous avoir aidés. Mais de rien, inspecteur. Je pars aujourd'hui, je ne sais pas si nous nous reverrons. Profitez bien de votre temps à Cat Town. Merci, je vais essayer. Ce petit, allons-y. Et essaye de contenir un peu ta joie. Je vais essayer, inspecteur. C'est juste que je suis très heureux de vous rejoindre dans votre enquête. Ok, allons-y. Ah, je peux plus regarder les indices! Le clébard à la fenêtre. Tout droit! Spotty, nous sommes déjà passés par là. Je sais, je suis désolé, inspecteur. Je suis perturbé par de la truffe. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai pu faire confiance à ton odorat. Est-ce que tu sais aussi lire l'avenir dans les cartes? Non, désolé. Par contre, j'ai une tante qui peut prévoir le futur en lisant les ossements. Si vous êtes intéressé, vous pouvez l'appeler de ma part. Si elle peut prévoir l'avenir, elle sait que ça ne sera pas le cas. 30 minutes plus tard! Ah, je stream jusqu'à 20h, après du coup, je vais aller faire des courses. Spotty, tu vois ce coiffeur dans cette rue? Camb as you are. Camb as you are, as a friend. Ok. Oui, pourquoi? C'est là où vous voulez vous faire brosser? Non, j'y suis jamais allé. Enfin, ça n'a pas d'importance. Ce que je voulais dire, c'est la cinquième fois qu'on passe devant, Spotty. Pour dire autrement, on est en train de tourner en rond. Oui, je pensais la même chose. C'est bizarre, n'est-ce pas? Peut-être, mais vraiment peut-être. Tu ne sais pas où on va? Bien sûr que je sais, donne-moi un peu de temps. Ce petit, il a l'air. Ah, oh, non. Ce n'est pas si mal. Regarde ici, on peut voir le commissariat. C'est à deux pâtés de maison. Oh, cool, vous pensez qu'ils peuvent nous voir? Ce n'est pas ce que j'insinuais, ce petit. D'accord, on peut commencer à détectiver, inspecteur? Quoi, ce mot n'existe même pas. Quand vous dites alors, quand vous recherchez des indices et interrogez les témoins? Investiguer. Ah oui, c'est vrai. Alors on peut investiguer? Si vous avez besoin de moi pour renifler une pièce, il vous suffit de demander. Merci, je le ferai. Je suis convaincu que tu auras ton rôle à jouer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder. Boum! Yeah! Je vais faire ce tableau-là, puis je vais voir après. Alors, sortie pour prendre. Ok, os de luxe. Ici, le luxe signifie posséder des os coûteux provenant d'un animal disparu. Waouh, c'est mon rêve d'avoir un de ces os, j'espère un jour. Mais ça n'a pas l'air de trop vous intéresser. J'ai une vision différente des choses. Pour moi, le luxe, c'est une bouteille de lait de 20 ans d'âge ou un beau morceau de thon rouge. Du thon? Vous êtes bizarre, vous les chats. Maintenant que nos arbres ne font plus, enfin, seulement quand personne ne les regarde. Dans les quartiers où vivent les chiens, les arbres ne vivent pas très longtemps. Ils sont noyés dans autre chose que de l'eau. Depuis que les bouches incendies sont obligatoires en ville, elles sont devenues de nouvelles victimes de cette vieille tradition canine. Frank, on va d'abord regarder tout le reste. Antiquaire, ok. Chaise léopard. Une chaise avec un imprimé léopard. Qui aurait envie de l'acheter et de l'installer chez lui? Peut-être des chats qui veulent se sentir un peu plus sauvages? Parce que si pour toi sauvage signifie tape à l'œil, alors oui. Poubelle? On peut pas faire les poubelles? Oh, on peut pas faire les poubelles! Fuck! Fido. Premier qui fuit là-haut, peut-être que le locataire a dû quitter son appartement rapidement. Ou bien était distrait et a oublié de fermer son robinet. Qui sait? C'est un mystère pour un autre jour. Donc là, je peux aller dans l'immeuble, je peux aller chez l'antiquaire, je peux parler à Franck. Bonjour, je m'appelle Franck. Que puis-je faire pour vous? Qu'est-ce que vous avez au menu? Nous avons le menu rouge, un hot dog avec ketchup, le menu jaune, un hot dog avec moutarde. Si vous voulez essayer quelque chose de vraiment différent, je vous conseille le menu gourmet. Dog avec ketchup et moutarde. Bien, bien, bien. Ils ont tous l'air délicieux. Pas maintenant, ce petit. Nous sommes en pleine enquête. Mais si tu fais du bon travail, je ferai de mon mieux pour que tu en aies un. Génial! On peut commencer à investiguer? Inspecteur, vous remarquerez que je n'ai pas dit détectiver. Tu es un bon chien, ce petit.
Mais c'était pas suffisant pour mériter un hot dog. Peut-être plus tard. Putain, le chien est débile. Genre le clébard, quoi. Au fait, je suis inspecteur Waffle. J'enquête sur une personne récemment décédée. Oh non, quelqu'un a encore étouffé avec un de mes hot dogs? Quelqu'un s'est encore étouffé avec un de mes hot dogs? Non, non, c'est un peu plus compliqué que ça. Un décès qui mérite une enquête un peu plus approfondie. Est-ce que vous connaissez un chat dénommé Erwin? Il vit dans un appartement juste au-dessus. Ce serait dur de ne pas le connaître, c'est le seul chat du quartier. Je pense que c'était lui qui... Parce que, bon. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à son sujet? Je lui ai jamais parlé, j'ai juste entendu dire qu'il réparait des tas d'appareils électroniques. Par contre, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Depuis combien de temps? Alors, il va y avoir un processeur pour le truc ADN, là, c'est bien ça. 4 jours. Ce n'est pas tant que ça. Inspecteur, n'oubliez pas que pour les chiens, ça dure 7 fois plus longtemps. Putain. Autre chose que je voudrais savoir sur lui? Je pense qu'il boite. Ça lui fait mal de prendre des escaliers tous les jours. Je l'ai entendu se plaindre de ça. C'est noté, merci. De rien, inspecteur. Est-ce que vous savez si Erwin a eu de la visite récemment? Difficile à dire, inspecteur. Beaucoup de chiens entrent et sortent du bâtiment chaque jour. Peut-être qu'ils étaient là pour voir notre ami Erwin? Ou peut-être pas. Vous avez spécifiquement mentionné les chiens. Avez-vous déjà vu un autre chat entrer? Je ne pense pas. Est-ce que vous avez quelque chose qui prouve le contraire? Bah, je sais pas. Je vois pas trop là, du coup. Hein. J'ai rien à lui montrer. Hein. Ah bah attends. Faut sans doute que j'aille. Attends. Faut sans doute que j'aille chez l'antiquaire. Je vais pas rentrer ici. Je vais aller chez l'antiquaire. On va essayer de régler ce problème là. Oh putain, y'a plein de trucs. Un cube. Faire une peluche de ce personnage, je vais aller une idée carrément. Bien, Patches et Morty. Serait fier de moi s'il pouvait m'entendre. Pourquoi? À cause du jeu de mots, ce petit. Je comprends pas. Chaque cube. J'ai pas compris la vanne, putain. Alors, ok, bon, très bien. Peinture. Ok, des affiches dessins. Un accès sur le fur. Ok. Allez, c'est toutes les peintures partout. En fait, c'est la même chose partout. Ouais. Truc bizarre. Ah, une pyramide avec un œil. Un porc épique, un chat de. Incroyable. Vraiment tout n'importe quoi chez ces antiquaires. Trop bizarre, trop bizarre, trop bizarre. Ok, et là. Et ben c'est parti, Lucius. Bonjour, je suis inspecteur Raphaël, c'est voici Spotty. Bonjour, c'est un chien. Vous m'entendez? Je ne pense pas qu'il entende, inspecteur. Oui, merci de la confirmation, Spotty. Pas de problème, inspecteur. Y a quelqu'un? Non. Peut-être ça? Non. Bah, je pense que lui. Il faut trouver de la bouffe, quoi. Bonjour, madame. Je suis inspecteur Warfield. Voici mon coéquipier, ce petit. Bonjour, madame. C'est pour acheter quelque chose? Non, désolé, je suis ici dans le cadre d'une enquête. Je suis une personne innocente. Je n'ai jamais rien fait de mal de ma vie. Pourquoi vous venir me déranger? Je pense qu'elle va être difficile d'interroger l'inspecteur. Je suis d'accord. Est-ce que vous connaissez un chat dénommé Erwin? Non. Il est parfois des habitants de l'immeuble en réparant leurs appareils ménagers et leur télévision. Il est doué de ses pattes. Elle dit non et. Il vit dans un bâtiment juste à côté. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Question suivante, s'il vous plaît. J'ai un magasin géré. Vous avez beaucoup de peintures, de statues, de peluches. Oui, en effet, ce sont tous des objets précieux qui valent un certain prix. Tous ces artistes ont passé beaucoup de temps à réaliser ces chefs-d'œuvre. Ce sont des objets de très bonne qualité. Donc, si vous voulez quelque chose, nous devons nous mettre d'accord sur un prix équitable. Comme je vous l'ai dit, je suis ici dans le cadre d'une enquête. Je ne suis pas là pour acheter quoi que ce soit. Alors, allez droit au but, inspecteur. J'ai des clients à aider.
À propos de vos clients, quel est le problème avec ce chien en costume rouge? Je ne sais pas vraiment. Il a attrapé une canne à pêche, il a joué un peu avec et soudain il a été hypnotisé. Et vous n'avez pas essayé de l'aider? Pourquoi faire? Se préoccupation de savoir s'il va l'acheter. C'est une pièce de très grande qualité, faite d'un bois d'un arbre aujourd'hui disparu. Datant du 5e siècle, fabriquée par un artisan d'une ancienne tribu orientale. Une relique pour le moins impressionnante. Ce serait vraiment dommage de manquer l'occasion de l'acheter. Oh, on doit absolument l'acheter! Spotty, tu détestes le poisson. Pourquoi aurais-tu besoin d'une canne à pêche? Parce que je n'en ai pas. Pour ton propre bien, Spotty, je t'encourage à fermer les yeux lorsque les publicités passent à la télévision. On ne va pas prendre la canne à pêche, mais merci pour l'offre. Les affaires sont les affaires. Je vois que vous avez une machine à café de dernière génération. Oui, j'en suis accro. J'aime savourer une tasse de café à la cannelle pendant que je travaille. Je comprends. Moi aussi, j'adore le café à la cannelle. C'est gentil de votre part de le partager une tasse avec moi. Ce sera gentil de votre part. Dans un gobelet à emporter, s'il vous plaît. Inspecteur, rien n'est gratuit ici. Vous pouvez utiliser la machine à café si vous me donnez quelque chose à vendre ici. Les affaires sont les affaires. Ça? C'est ce qu'il vous faut. Une lettre d'amour très bien écrite. C'est de la poésie, regardez. Vous avez compris que vous êtes dans une boutique d'antiquité, n'est-ce pas? L'antiquité signifie vieux, pas écrite il y a 2 jours. Mais le texte semble intéressant, en effet. Plutôt très bien écrit. Si vous avez une lettre comme celle-ci, mais plus ancienne, ce serait parfait. Peut-être quelque chose dans mon inventaire pourrait altérer cette lettre pour la rendre plus ancienne. Oh, ce que je peux faire, Jean. Attends. Si je fais genre, attends, je peux prendre mon sac? Genre si je fais ça, into, ça. Prendre les papiers plus vieux en tachant le café. Tellement de choses débiles à télé, mais bon, pourquoi ne pas essayer? Merci, je n'ai pas une meilleure idée. J'ai vidé la moitié de mon café. Maintenant, l'être a l'air d'être vieille, mais elle est aussi complètement trempée. Mais à quoi est-ce que je pensais en faisant ça? T'es vraiment stupide. On va essayer. Ok, on s'en a vu, hein. Merde. Et si je remets encore du café dessus? Essayer, mais faut la sécher quoi. Je pense qu'il faut attendre. J'essaye tout. Ouais, je vais surtout arrêter le stream. Ok, ben bah, pour l'instant je peux pas faire grand chose de plus, hein. Dépêche. Bon. Let's go. Eh bien écoutez, c'est sympa, moi j'aime bien. C'est chill. C'est chill. On va... Pardon, je suis plus sur le... On va arrêter là pour aujourd'hui. Je vais peut-être restreamer demain. En tout cas, je vais restreamer pendant les vacances, c'est sûr. Demain, on est le 24. Je distribue aussi le 25, on verra. En tout cas, c'est cool. Petit point and click sympa. Une petite vanne, petite blagounette et tout ça. C'est assez sympa. Donc, à poursuivre. Sur ce, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, moi, je vais aller faire les courses avant que le Franprix ferme, bien sûr. Et puis, bah, je uploaderai ça en plusieurs parties quand j'aurai fait tout le jeu, si c'est une grosse partie du jeu. Voilà. Et puis c'est chouette. J'ai un autre point and click à faire aussi. C'est quoi? C'est le. Je sais plus comment il s'appelle là. The Captain. J'avais testé pour voir si c'était sympa. J'avais commencé, donc je referai une partie à 2-0. Mais d'abord, on va faire ce jeu-là. Voilà, le nouveau let's play là, du moment. Des vacances sans doute, parce que je pense qu'il n'est pas forcément hyper long. Je vais le finir dans les vacances, mais voilà.
Bah écoutez, sur ce, pour ceux qui sont là, qui sont passés, etc., bonne soirée. Et puis, à très bientôt pour la suite. Ciao!